Bienvenue à cette quatrième partie de notre formation sur le développement web sur ASP.net. Cette partie est la suite d'une série de formations sur le formatage de nos pages web avec le style CSS. Nous vous invitons à suivre cette vidéo jusqu'au bout, à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Merci et on y va. Nous avons le projet de la vidéo précédente. Nous nous sommes limités à créer, comme on l'a dit dernièrement, un menu en bleu, juste en haut. Puis nous avons une bannière de titre. Maintenant, nous allons créer en bas un formulaire, n'est-ce pas? Et ce formulaire-là sera constitué de quelques champs, un bouton pour valider et pour envoyer le message, n'est-ce pas? Il s'agit d'une page de contact. À côté, nous allons mettre quelques informations, n'est-ce pas? Du genre les adresses, email, les numéros de téléphone, les heures d'ouverture, etc. Voilà, donc on retourne sur notre projet et voilà, on va ajouter un nouveau div. Voilà, on va ajouter un nouveau div. Très bien. Bien sûr, on stoppe l'exécution. Nous allons ajouter déjà quelques champs texte, n'est-ce pas? On ajoute le premier, on ajoute le deuxième. Ça sera par exemple pour le nom, l'autre sera pour l'email et l'autre sera pour l'objet de votre. L'autre, ça sera pour l'adresse email, c'est ça, le deuxième. Donc, le deuxième, c'est pour l'adresse email, ça sera pour le nom, ça sera pour l'objet du message. Et on va mettre maintenant un tout dernier qui va être pour l'objet, le corps du message. C'est pas, on va se limiter aux 4 et on va voir ce que ça donne. En testant, normalement, nos 4 champs devraient se mettre sur la page dans la partie. Voilà, on les a tous déjà, comme ça, c'est très bien. On va maintenant les arranger de façon à avoir les 4 champs sur la ligne, parce que généralement, il faut que les champs soient alignés un en bas de l'autre. D'accord. Donc, je stoppe. Et pour ça, je pourrais même utiliser une balise break, n'est-ce pas? Break. Et je vais juste recopier les balises break. Et j'aurai le résultat escompté. Donc la balise break permet de retourner les objets à la ligne. Très bien. Nous avons déjà les 4, mais qui sont en bas. Très bien. La deuxième étape maintenant est d'ajouter les labels, n'est-ce pas? Donc là, je vais ajouter un label. Oui, le label, tac, voilà. À chaque champ texte, je vais ajouter un label. D'accord, champ texte, un label. Et le tout dernier, c'est ce label-là. Donc, ce label, je vais dire non, n'est-ce pas? On dit que le premier champ s'appellerait nom, le deuxième c'est adresse mail, le troisième c'est l'objet de votre message et le tout dernier c'est le message lui-même. On enregistre, on va tester tout ça pour voir ce que ça donne, n'est-ce pas? Très bien, cette fois-ci nous avons maintenant les labels devant nos champs textes. Maintenant, il faudra mettre tout ça donner une belle forme, hein, à tous ces champs, n'est-ce pas? Donc, je retourne. Très bien. Tac. Voilà, nous avons les labels. Nous allons maintenant mettre. Alors, je suppose que ça, c'est les deux. Voilà. Donc, on a à chaque fois le label et le champ texte. Bien. Maintenant, on va créer sous forme de bloc pour chaque, n'est-ce pas? On crée un bloc pour le label et un bloc pour le champ texte. Donc, on fait comme ça. Div. Et, oh, qu'est-ce que c'est? Div. Div. Oui. Et on ferme. Très bien. On supprime tout ça. Et on a un premier bloc. À l'intérieur de ce bloc, on met un autre bloc. Et on met un deuxième bloc. D'accord, très bien. Dans ce premier bloc,
on met le label dans le deuxième bloc. On met, voilà, on met notre champ texte. Donc voilà, on va disposer le tout de cette manière-là, d'accord? Donc on a dans un premier bloc le label, dans le deuxième bloc le champ texte. Donc ici, on va faire la même chose pour tous. Ah, je vais juste peut-être copier tout ça. Non, je serai mieux. Oui, div. Ça, c'est le premier. Div. Ça, c'est le deuxième. Et puis, on a le break. Donc, on va faire ça trois fois encore, n'est-ce pas? Deux fois. Trois fois. Donc on a 1, 2, 3, 4. Très bien. Donc ça correspond justement à nos champs texte. Donc je vais maintenant prendre ceci et je vais le glisser juste à l'intérieur là. Je vais prendre ceci, le champ texte qui correspond, et je le mets là. Je prends le deuxième, le troisième plutôt. Je le mets là et je prends le tout dernier. Je le mets dans l'autre bloc. Enfin, je fais ceci et je fais cela. Très bien. Donc, on aura tout fermé. On supprime tout ça. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, nous avons maintenant quatre blocs de chacun. Deux blocs. D'accord? Et tout est contenu dans un grand bloc. Maintenant, Nous allons faire du style, n'est-ce pas? Nous allons faire du style pour mettre le bloc avec le label à gauche et le bloc avec le champ texte à droite, n'est-ce pas? On fait style et puis, vous vous rappelez, le float left, n'est-ce pas? On le float à left. Ici, nous allons mettre aussi le style dans le bloc principal. On va mettre la largeur. Oui, n'est-ce pas, à 100%, pour que les flottes respectent vraiment les alignements, fonctionnent très bien. Il faut commencer par mettre la largeur à 100% pour le div principal, d'accord? Donc là on a ça, on va mettre la même chose pour tous les autres divs. Donc là les divs left, et puis maintenant on va prendre le droit ici, right, n'est-ce pas? Donc on va prendre ça, on va mettre le right ici, je copie, je colle, donc là je viens d'avoir un alignement gauche pour les labels, un alignement droit pour les champs texte. On va voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne très bien, c'est ça en fait, ça fonctionne très bien, sauf que jusque là c'est pas encore ce que je veux, n'est-ce pas? On continue. Voilà, donc là on va mettre les marches partout. On va mettre des marches partout pour qu'il y ait quand même une petite distanciation sociale. Non, pas une petite distanciation, pas une distanciation sociale. Donc qu'il y ait en tout cas de l'espace en haut. Mais entre-temps, on ne va plus utiliser les breaks parce que les breaks ne sont plus appropriés. Donc on va les virer, n'est-ce pas? On va cette fois-ci utiliser une autre méthode qu'on a bien appris, c'est le clear bold div, le style clear bold, n'est-ce pas? Là, on a fini. Donc on va mettre le clear bold partout pour casser la lecture, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc là, je vais tester pour voir ce que ça me donne. Et bien, voilà, c'est exact cette fois-ci. Nous avons maintenant un alignement beaucoup plus propre et bien espacé. D'accord? Mais il se fait que malheureusement, c'est tellement trop à distance. Donc, il faudra ramener les labels juste à côté, chacun à côté de l'autre. Donc ce que je propose qu'on divise encore le gros
le gros bloc en deux, n'est-ce pas? On a ce bloc ici. Celui-ci sera le bloc gauche, plutôt droit. On va mettre un autre bloc gauche, div, n'est-ce pas? Style. Encore une fois, on va le flotter. Flat. Flat left. Flat left. Good. Good. Voilà, nous avons maintenant le div qui est flotté à gauche. Mais cette fois-ci, nous aurons maintenant le ici le float. Le float. Right. Voilà, c'est très bien écrit. Donc, nous avons le left et le right encore une fois. Mais encore une fois, on va bien évidemment casser la lecture à chaque float. Vous vous rappelez très bien. Donc, ici, nous allons prendre que ça sera, par exemple, les adresses. N'est-ce pas? Les adresses vont aller là-bas. Je mets le mot juste là pour avoir juste une idée. Width. Width. Là, on va mettre 50%, 50%. Et là aussi, on va bien évidemment ne plus avoir 100% parce que tout l'espace sera divisé en deux. Et donc, c'est comme ça. On va voir ce que ça donne. On actualise la page. Ça devra aller comme on le souhaite. Donc maintenant, la page est divisée en deux. Une partie pour les adresses et une partie pour les contacts. D'accord? Maintenant, il se fait que malheureusement, les champs textes ici sont collent encore. Et c'est pas très joli quand les objets collent les parois comme ça. Regardez, l'adresse aussi, ça colle vers la gauche. Donc, nous allons faire en sorte que toutes ces parties-là quittent. Donc, on va mettre ce qu'on appelle le padding, n'est-ce pas? Le padding et left. On va mettre juste le padding left. On va le mettre 50 pixels, comme dans toute la page d'ailleurs. On va vérifier, voir ce que... Non. Il m'a mis le padding. Donc, c'est quoi? Voilà, là, on s'est trompé déjà. Ça devrait être le right, n'est-ce pas? Et là, on remet comme on vient d'introduire une marge qui va prendre l'espace. On ne peut plus fixer la largeur comme on vient de le faire là. On va laisser la largeur qu'elle soit automatique. Elle va prendre une largeur automatique, dynamique. Et ben voilà, c'est très mieux comme ça. Maintenant, nous allons mettre aussi un espacement entre les labels et les champs textes. C'est ce qui va suivre. Et donc, nous allons mettre voilà, à ce niveau-là, dans le bloc des labels, nous allons mettre peut-être une marge margin right, n'est-ce pas? Pas nous compliquer encore une fois, on va mettre une marge de 40 pixels. Ok, on vérifie. Ouais, bon, ok. On a déjà cette marge là pour le nom. Donc là, ça ne se fait pas voir parce que la marge est déjà suffisamment grande. On va essayer la marge avec l'adresse email. On va essayer. On met marge top margin là. Pour l'adresse email, on vérifie ce que ça donne. On enregistre bien évidemment à chaque fois avant de... Et bien voilà. La seule marge au niveau du label de l'adresse fait reculer les autres parce que, rappelez-vous que la taille, n'est-ce pas, la taille de ce bloc contenant les champs texte et n'est plus fixe, donc elle peut s'augmenter automatiquement en fonction du contenu. D'accord. Donc, la seule marge là, suffit, donc il suffit plus et il faudra plus mettre les autres marges parce que celle-là vient de donner la marge qu'on souhaite avoir. Maintenant, une autre chose, c'est de peut-être je trouve les champs texte toutes petites, n'est-ce pas? Donc on va ajouter un peu la taille des champs texte. Donc on commence en commençant bien évidemment par le tout premier champ texte. Donc je pourrais lui donner directement le width. Le width, je ne sais pas quelle est la taille que je vais lui donner, mais je donne 300 pixels. Je pourrais aussi lui donner la taille de height de 60 pixels. On va essayer. En tout cas, à chaque fois, il faudra que vous-même sachiez ce que vous voulez. À ce moment-là, je trouve que
c'est une hauteur assez large. Donc je vais diminuer sensiblement jusqu'à peut-être à 20. Et puis je vais voir ce que ça me donne. Ouais, peut-être, n'est-ce pas? Peut-être. Donc là, maintenant, on va faire la même chose pour tous les quatre, sauf pour le dernier, n'est-ce pas? Sauf pour le dernier. Pourquoi? Parce que le dernier, c'est le champ du message. Donc le message, ça sera différent. Ça sera différent au niveau, bien évidemment, de la hauteur, parce que la hauteur va être beaucoup plus large. Je mets 150 pixels et on va voir ce que ça nous donne. Et ben voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose. Après, nous allons mettre ce qu'on appelle les placeholders. Mini placeholder. On met un petit message. Tapez votre nom, s'il vous plaît. Nom, s'il vous plaît. Allez. Donc, nous avons tapé votre nom, s'il vous plaît. Eh bien, voilà, nous avons le placeholder. Après, nous allons mettre le placeholder partout. Dans les champs texte. Et là, on va mettre là. Et on va mettre là. Et puis là, ça sera cette fois-ci. Tapez votre adresse email. Email. Et là, ça sera tapez votre objet. L'objet de votre message. Tapez l'objet de votre message, s'il vous plaît. Et tapez votre message. Message, s'il vous plaît. Donc là. Eh bien, voilà. 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 Alors, il y a un petit problème avec la case de message parce que c'est une case qui ne peut pas prendre plusieurs lignes. Pourtant, les cases de message devraient normalement prendre plusieurs lignes. Donc, là, pour accepter les multi-line, on ajoute la propriété qu'on appelle le line, justement. Non, ce n'est pas le line. Multi-line, je crois, oui. Text mode, oui, c'est multi-line, exact, text mode en multi-line. Et bien voilà, maintenant c'est encore mieux. Donc tu peux aller à la ligne, tu peux à la ligne, tu peux à la ligne, tu peux à la ligne, et puis à la fin tu dis thanks. Voilà, c'est good. Là, si tu tapes l'objet de mon message, et là tu tapes par exemple adresse@gmail.com, et puis là tu tapes par exemple mon nom complet qui est Marcelin, enfin, Marcelin. Merci beaucoup, merci pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec cette mise à jour, mise en forme de la page avec le CSS. Là, on va encore continuer à donner beaucoup plus de forme à cette page, mais aujourd'hui, on va se limiter à ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne, vous connaissez la chanson, et activez la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à très 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 vite.